Donc pour le moment, il y a deux problèmes sur cette console, si ce n'est que la crasse, mais ça, on va pas la jeter dedans. C'est l'ouverture de la trappe qui ne fonctionne pas et la lecture des CD. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est essayer d'ouvrir ce fourbi, sachant que je ne connais pas du tout comment ça fonctionne, mais je vais me démerder. Alors, on va peut-être essayer de la retourner, et je sais qu'il manque un cache. Voilà, je ne sais pas comment je vais retrouver, on va bien sûr eBay, c'est pour créer un peu ça. Donc pour ceci, je prends les deux. Putain, la merde. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais prendre le Game Bit et je vais virer les quatre vis qui sont là. Putain. Ouais, je vais choper de la merde avec ça. Et j'aurais dû mettre des gants, mais des trucs à rallonge, là, des trucs de cosmonaute. Ah, mais c'est mortel, là, sérieux. Ah, faut arrêter les conneries. Il y a pas mal de crasse dans cette console, c'est hallucinant. Je pense qu'elle a été récupérée dans un grenier, ou je ne sais quoi, peut-être une cave. Le nombre de merde qu'il y a dessus. Alors, ouais, bon, on va faire comme ça déjà. Voilà, bon, bah, il y a 4 vis, 2, 3, et puis la quatrième qui vient pas, hein. Ah bah c'est les mêmes testeurs, on dirait, non? Putain, voilà, ça en fait 4. Et la table qui est déjà pleine de merde, et ça commence. Et ouais! Ah bah voilà. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est que c'est plein de merde. On va essayer de la mettre en route tout à l'heure. Pour l'instant, je vais regarder le système de la trappe, pourquoi il ne fonctionne pas. Alors, l'attraper l'appui où là. Et ben voilà, ça est pareil. Alors, c'est quoi ce qui va pas en réalité? Oh là là, d'accord. Bon. Je pense qu'on va nettoyer un peu tout ça déjà. Le bouton, on dirait qu'il se met de travers. Je pense que ça va être que du nettoyage. Quelle merde. C'est pas le bon tournevis, mais ça va aller. Ouais, j'ai commencé à virer un peu ce qu'on trouve là. Et j'ai remarqué, c'est que les GameCube, la LED est orange, mais elle est horrible. La LED d'allumage, c'est un truc de taré. Moi, je supporte pas ça. Bon, ce que je vais faire, je vais chercher un tournevis. Aussi, parce que là, je vais vraiment me faire chier avec ça. Allez, je reviens. Petit tournevis, le gros, pardon, le gros, il y a peut-être le moyen. Ouais, allez, c'est bon. Tournevis, allez. Tac, ça va peut-être avec le gros, putain. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en faisant une vidéo, je vais peut-être faire rebond les vis. Hein. Ça va être de la balle. Alors, système de LED est un peu merdique. Voilà, c'est un peu toutes les consoles qui sont pareilles maintenant, on va dire. Allez, alors je sais pas ce que je vois là. Oh, alors ça, je sais pas. Ouais, on s'en fout, je sais pas quoi ça sert. Ça, c'est ôté, ça, c'est ôté. Là, il y a une vis là. Essayez de la choper avec les mains du tournevis. Voilà. Là. Ouais, essayez de zoomer un petit peu pour vous quand même. Un petit peu, pas trop. Ouais, là, on voit bien la merde. Voilà. Alors. D'accord. Je pense qu'il faut appuyer pour éjecter. Oh, quelle merde. Bon. Non, je vais bien filer ce truc là. Hein. Wow! Putain, c'est un roulette russe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, d'accord. Aïe, je sais pas comment je vais remettre ça. Mais il faudra bien. Bon, alors, il y a quoi? Il y a ça qui va là. Là, à mon avis, il y a un ressort qui bloque. C'est pour ça que ça merdouille. Et puis. Qu'est-ce?
Oh, ceux qui ont l'habitude, c'est facile pour eux, mais moi. Tiens, il y a quoi ça? Je crois que je vais peut-être ôter ce truc avant. Diable, c'est déjà toujours des outils corrects. Celui-là, il commence à être limite. Sinon, ça bousille l'empreinte de la vis. Et après, c'est toujours la grosse galère. Donc, j'en rachète un de ton vis. Ouais, j'ai fait pas mal de mécanique moteur avec. J'ai bien usé. Alors, cette partie-là, elle va là. Le ressort, ben, il est là. Et voilà. Donc, j'ai ressauté ça. C'est déjà très très bien, je pense. Ça, c'est le bouton power. Si j'ai raloté, on va essayer. Hop, et je t'ai poussé. Bon. C'est toujours le bordel. En plus, c'est un plastique qui est déjà bien usé. On a un peu peur de l'abîmer. Ah, il y a quoi? Un nid d'araignée là? Vous voyez, voilà. Bon. Allez, ouais, tant qu'à faire, on va tout ôter. Après, on va faire un peu de vaisselle. Un petit peu de vaisselle. Allez, voilà. Celui-là, il va pas mal. Un bouton là, il y a un bouton là. Alors là, c'est le reset. Voilà, le là. Ça c'est chiant avec la caméra sous l'objectif, puis c'est bien à voir. Oh, puis oh, c'est ma première vidéo mécanique, alors vous n'allez pas m'emmerder, hein. Fera avec. Ah, voilà, un bouton à deux balles et voilà. Voilà, on en est où celui-là? Alors, comment ça marche ce truc? On pousse, ça éjecte, ouais. D'accord. Super, donc il faut le pivoter. Hein. Je pense qu'il faut le pivoter et pousser. Ben non. Putain, ça me tue. Ouais, faut tirer. Voilà. Alors. Ok. Et puis le bouton, il est là. Ok. C'est juste un système de... C'est un petit poussoir qu'il y a dessus, arrondi. Et bah, tu pousses, en gros, ça fait sauter le loquet plus loin. Voilà, le truc. Donc, alors, est-ce que c'est comme la... Est-ce que c'est comme la Super Nintendo? Il faudrait nettoyer un peu autour pour que ça passe bien. On verra bien. Non, c'est pas Super Nintendo, c'est un Nintendo 64. Voilà, le bouton qui frotte. Voilà. Bon, allez, on va faire un petit peu la vaisselle. Et on remontera ça ensemble. Allez, à de suite. Deux petits oublis. Il s'agit donc du logo supérieur. Pour le démontage, bien sûr. Alors, il y a deux petites languettes, c'est tout bête. Voilà. On les pousse. On pousse avec les doigts. Hop, ça tombe tout seul. Ou alors, peut-être des fois, il faut... l'assister un peu. Voilà. Et enfin, la grille du ventilateur, ce qui empêche la poussière de rentrer. Je la montre, elle est là. En fait, il suffit simplement de la retirer, de la pousser dans le sens et tirer par le dessus. Si on y arrive, c'est pas facile, putain. Allez, hop, donc je la tire, regardez. C'est tout bête, hein. Ce sont des petites encoches qui s'en fichent là. Vous voyez. Allez, à la vaisselle de nouveau. Alors pour le moment, bien sûr, c'est propre. Donc on va procéder au remontage. Ici déjà, j'ai fait une petite vue d'ensemble que vous voyez un peu tout ce qu'il y a comme pièce uniquement en ce qui concerne la partie supérieure de la Game Boy. Voilà. Donc on va faire un peu de place. Ah, ça j'en ai besoin rapidement. Le vis, le cache, le cacache, le capot, tac, les boutons, là, et voilà. Alors le plus dur, c'est de remonter
Le clapet. Le cachet des... Ça, c'est une merde pas possible. Pareil que... Il faut avoir une petite habitude. Mais bon, la petite habitude, moi, je l'ai pas. On va commencer, je vais pas zoomer un petit peu. Que vous voyez un peu ce qui se passe. Et je vais essayer de... faire en sorte que vous voyez quelque chose. Je vais déjà remettre ce petit pignon. Vous voyez le pignon, en fait, il tourne. Il est assez dur, robuste, blanc. Je sais pas ce qu'il y a... que ça soit comme ça, c'est fait exprès, hein. C'est ce qui permet au clapet de pas monter d'un coup. Oh, heureusement qu'il y a ça. Alors, on le place là. Enfin, on essaye. Merci. Voilà. Ensuite, la pièce là, il y aura le ressort qui ira là. Comme ça dans ce sens. Hop. Voilà, le ressort c'est ça. Et le pignon il va arriver là. Le petit pignon que je viens de mettre, il va arriver là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est remonter ça dans la foulée? Non. Oui. On va remettre de la foulée. Et la, cette partie-là, elle doit passer entre, on va dire entre deux. Entre deux, ou entre quatre. Oh putain. C'est la merde ce truc. Hop. Ah puis j'ai les doigts de fils, c'est terrible. C'est exactement ce qu'il faut quoi. Allez, ça commence déjà à m'énerver. Ah, bien sûr, ce qu'il faut, c'est être très patient. Très patient. Très patient. Très patient. Bon, vous voyez comment j'ai introduit le. Un morceau du ressort, j'essaie de le passer en dessous des pignons et je vais essayer de refermer le capot dessus. Voilà, et là on remarque que les deux petits étons ils sont bien rentrés dedans, donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à mettre la vis pour bloquer cette première partie. Enfin, on va pas la bloquer à toc parce qu'on va peut-être procéder à un mini réglage quoi. Pour essayer que ça s'ajuste au mieux sur la face supérieure. Voilà, et c'est super. Oh, elle va super bien la vis. Alors, je la bloque à peine. Maintenant, on va remettre le côté de l'autre extrémité. Si j'y arrive, bon, vous voyez toujours. Hein. Pareil, on va essayer de remettre les deux tétons. Voilà, les deux tétons, on les voit. Ils sont bien posés.